Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au remake de jeux vidéo des années 80-90. Après le premier épisode consacré aux jeux d'arcade, cette vidéo est dédiée aux meilleurs remakes de jeux console. Le premier d'entre eux est certainement mon jeu préféré sur Sega Master System. Il s'agit de Wonder Boys The Dragon's Trap, sorti en 1989. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui met en scène un héros qui subit diverses transformations, chacune d'entre elles lui conférant des aptitudes particulières. La petite taille de la souris lui permet de se faufiler partout, le poisson peut respirer et se déplacer sous l'eau, l'oiseau peut voler et atteindre des plateformes hautes, etc., etc. Le but du jeu est de permettre à Wonder Boy de retrouver sa forme humaine. Il s'agira d'accumuler de l'or afin d'acheter diverses armes et armures indispensables pour traverser certaines zones de jeu. Chaque fin de zone se termine par l'affrontement d'un boss et le changement d'apparence de Wonder Boy. Il est à noter que ce jeu est aussi disponible sur la PC Engine avec une bande-son et des graphismes légèrement meilleurs. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap a été totalement réécrit en 2017 par Lizard Cube. Cette version est sortie sur PS4, Switch, Xbox One, PC, Mac, et est l'exacte réplique de la version originale. Il est d'ailleurs possible à tout moment dans le jeu de passer de la version 8 bits à la version actualisée. Si vous souhaitez tenter ce jeu sans passer par l'émulation, foncez, cette conversion est vraiment à la hauteur du mythe. Le remake suivant s'attaque à une série culte, les Super Mario Bros. Le premier Super Mario est sorti en 1985 sur NES de Nintendo et a été le jeu qui a propulsé la console au rang de star. Le second Super Mario Bros. Est différent entre le Japon et le reste du monde. Au Japon, il se nomme aussi Super Mario The Lost Levels et est en fait un Super Mario dont les niveaux sont bien plus difficiles. Dans le reste du monde, Super Mario Bros. 2 est une adaptation de Doki Doki Panic à la mode Nintendo. Ces deux épisodes sont très différents. Enfin, le Super Mario Bros. 3, sorti en 1988 au Japon et les deux années suivantes aux États-Unis et en Europe. C'est celui qui est présenté ici. Il reprend bien entendu les mécaniques de jeu de ses aînés, mais c'est un vrai épisode qui apporte de vrais plus à la franchise. Il est considéré pour beaucoup comme le meilleur épisode sur NES. Pour ma part, ma préférence va à la seconde version occidentale. Le meilleur remake de la série est sorti en 1993 sur la génération suivante de la console de Nintendo, la Super Nintendo. Intitulé Super Mario All-Stars, le jeu reprend les 4 épisodes de la série originelle sur NES en remaniant les graphismes et les musiques au standard 16 bits. Quelques fonctionnalités ont toutefois été ajoutées comme la possibilité de sauvegarder une partie. Le moteur du jeu ayant été entièrement réécrit, les puristes ne retrouveront pas les bugs des volets sur NES qui permettaient de finir le jeu très rapidement comme le passage à travers les murs par exemple. Pour les autres, c'est un excellent remake. Petit tour dans l'univers Disney maintenant avec Mickey Mouse Castle of Illusion sur Mega Drive, sorti en 1990. Il s'agit là encore d'un digne représentant de la console, dans lequel Mickey part à la rescousse de Minnie au travers d'une quête qui le mène dans l'univers de l'animé à la recherche de 7 gemmes. Visuellement au top de ce que la Mega Drive sait faire de mieux, son univers enchanteur, doté d'une bande-son incroyable, entraîne le joueur dans une aventure mémorable. Les critiques de l'époque étaient d'ailleurs dithyrambiques avec des notes de plus de 90%. Thank you.
En 2013, Sega Studio Australia crée le remake sur les plateformes du moment, PC, Xbox 360, PS3 et mobile. Le jeu est développé en 2,5D, c'est-à-dire de la 3D avec une caméra latérale vue de côté, avec ce que cela comporte de bon comme de mauvais. Les graphismes sont excellents, les effets de lumière bien présents, mais la jouabilité en prend un coup. Certaines phases de saut de plateforme en plateforme perdent en précision et énervent. De plus, Sega a voulu simplifier le jeu pour l'adapter aux nouvelles générations, mais il en devient du coup trop facile et perd une partie de son intérêt. Moins bien noté que son ancêtre sur Mega Drive, il reste tout de même un remake correct, surtout pour les plus jeunes. The signpost was created by Miserabel, so of course, it had a mischievous streak. Sure wish that signpost would make up its mind. On reste dans l'univers Disney avec Picsou et le jeu DuckTales sur NES, développé par Capcom en 1989. Picsou part à la recherche de trésors dans 5 niveaux à travers le monde, armé de sa canne avec laquelle il peut jeter des objets ou rebondir sur les ennemis. De nombreux personnages de la série répondent à l'appel, comme les frères Raptou, Gripsou, Flagada Jones, etc., etc. Le remake est sorti en 2013, quelques semaines avant celui de Mickey, et toujours édité par Capcom. Intitulé DuckTales Remastered, il sort sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U, avant de débarquer 2 ans après sur mobile. Il reprend les fondamentaux de son aîné sur NES, avec des graphismes en pur 2D qui permettent au gameplay de coller parfaitement avec l'esprit de l'original. Les niveaux sont les mêmes en un peu plus grand, et le niveau final est inédit. C'est donc un remake plus à essayer de toute urgence, d'autant qu'il est encore disponible sur Steam. Oh, Huey, are you all right, my boy? Yeah, but you better watch out. The Beagle Boys messed with your security system. Ooh, yeah, we take over the whole place. Yeah, me money. Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge. Another World est un jeu emblématique du début des années 90. Édité par Delphin Software, il est avant tout le jeu d'un seul homme, Eric Shea. Et oui, à l'époque, il était encore possible d'écrire un jeu seul. Il met en scène un chercheur en physique des particules qui se retrouve projeté dans un autre monde à la suite d'un problème dans son laboratoire. Il s'ensuit une aventure dans laquelle le chercheur tente de retrouver son monde. Très innovant à l'époque avec ses graphismes entièrement rendus à l'aide de polygones, ce jeu avait fait forte impression à sa sortie. Après plusieurs portages du hit sur toutes les consoles et ordinateurs les années suivantes, Another World 20th Anniversary Edition sort en 2011, développé par Zetemu, grand spécialiste des remakes. Il est visuellement très proche de son aîné, il faut dire que porter ce style de jeu sans le dénaturer n'est pas simple. Un peu plus simple que la version originelle, le jeu reste tout de même très exigeant et vous rappellera vite que la difficulté était un cran au-dessus dans les années 90. Matsuba.
On reste chez Delphine Software avec Flashback sorti en 1992, d'abord sur Amiga, puis sur tous les autres supports. L'action se déroule en 2142 où un scientifique, encore un, se retrouve au beau milieu de la jungle frappé d'amnésie. Sa quête consiste à retrouver des holocubes, sorte de fragments de mémoire, et à atteindre la ville afin de déjouer un complot extraterrestre. Les animations sont très proches de Prince of Persia, avec des mouvements digitalisés. C'est un jeu de plateforme et de réflexion très bien réalisé qui avait contribué à donner ses lettres de noblesse à l'Amiga. C'est Ubisoft qui a édité son remake en 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360. Flashback 25th Anniversary. Plutôt que de reprendre entièrement les graphismes, Ubisoft s'est contenté de reprendre les dessins existants et d'appliquer quelques filtres graphiques. Lissage de pixels, effet de flou, choix entre 16/9 et 4 tiers. C'est bien fait, mais il aurait, à mon sens, mérité une refonte complète. Cela permet au moins de retrouver intactes les mécaniques de jeu. Les musiques et les bruitages ont eux aussi eu le droit à un très léger lifting. Alex Kidd est le personnage mascotte de Sega à la sortie de la Master System. Sorti en 1986, longtemps avant un certain hérisson aux cheveux bleus, il est alors en concurrence directe avec le plombier de Nintendo. Avec ses 5 millions d'exemplaires vendus, il est loin d'égaler le petit moustachu, mais aura permis de populariser la console de Sega. Le personnage d'Alex Kidd est un expert en arts martiaux, parti délivrer son royaume d'un tyran qui l'a enlevé dans sa jeunesse. Techniquement, il s'agit d'un classique jeu de plateforme dans lequel Alex Kidd devra trouver des objets qui l'aideront dans sa quête et auxir des ennemis aussi dangereux que des oiseaux et des poissons. Ah oui, quand même. Alex Kidd in Miracle World DX, son remake, est attendu pour juin 2021 sur PC, Xbox One, PS4 et Switch. Au moment où j'écris ces lignes, le jeu n'est pas encore sorti, je me contenterai donc de diffuser son trailer. L'équipe de développement est espagnole et amateur, mais s'est très vite fait remarquer par Sega qui soutient financièrement son développement. Ce n'est pas avec Nintendo que ça arrivera. Et encore un Wonder Boy. Exclusif sur Mega Drive et au Japon, il met en scène une héroïde nommée Asha avec son ami Pépé le Goût et adopte un style plus cartoon que les autres jeux de la série. Sorti au milieu des années 90, alors que le développement sur Mega Drive est maîtrisé, c'est un épisode très bien réalisé et très travaillé, salué par la critique. Seule la bande-son est un peu moins bonne. Thank you.
Le 22 avril 2021, son remake est sorti sur PC, PS4 et Switch. Développé en 2,5D, il est toutefois très proche de l'original et le gameplay n'en a pas souffert. Entièrement retravaillé au niveau musical avec des voix qui ont été réenregistrées, le jeu a aussi bénéficié du support de l'équipe de développement initiale, ce qui est toujours un gage de qualité. De plus, le premier opus était cantonné au Japon, cette version permet au moins de populariser la franchise sous nos latitudes. Succès incontestable de la PlayStation première du nom, Crash Bandicoot a été pendant longtemps la mascotte de la console. Édité par le studio Naughty Dog, qui n'est à l'époque pas encore la propriété de Sony, il met en scène un marsupial orange dont la belle a été capturée par le docteur Neo Cortex. Crash tentera au travers de 32 niveaux et des 3 îles du jeu de la délivrer. Avec son gameplay très précis, ce qui était loin d'être le cas des jeux 3D à l'époque, ce jeu aura marqué la PlayStation de son empreinte. Les deux années suivantes, Naughty Dog sortira de suite Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3 Warped, tout aussi bonnes et bien accueillies par la critique. Pour son 20e anniversaire, Sony a sorti le remake de ses trois jeux sous les noms Crash Bandicoot et Insane Trilogy. Sorti en 2017, les graphismes sont évidemment remis au goût du jour, tout comme la bande-son entièrement réécrite. De nombreux modes de jeu font aussi leur apparition, comme le contre-la-montre jusqu'alors réservé au troisième opus. Ce jeu a pour l'occasion été totalement redéveloppé, mais reste très fidèle à ses ancêtres, ce qui est une prouesse technique. Si vous avez connu le jeu il y a 20 ans, vous pouvez foncer sur ce remake, il vous rappellera de bons souvenirs. Évoquer un jeu de légende sur la console Saturn de Sega n'est pas chose courante, et pourtant, ce Panzer Dragoon en est bien un. Sorti en 1995, la même année que la console, il est le jeu qui doit la faire vendre. Il s'agit d'un rail shooter où le joueur contrôle les tirs d'un héros qui chevauche un dragon et qui fait face à des vagues d'ennemis. Très classique dans son principe, c'est avant tout son univers qui lui a permis de se démarquer de la concurrence. De plus, son gameplay permet d'alterner deux sortes de tirs. Un tir rapide classique, dans ce genre de jeu, mais aussi un tir qui permet de cibler plusieurs ennemis avant de libérer une salve de missiles. C'est ce dosage dans le gameplay qui a fait de Panzer Dragoon un jeu mythique. Panzer Dragoon Remake est sorti sur Switch en 2020. Son univers heroic fantasy post-apocalyptique répond toujours à l'appel et bénéficie d'une refonte graphique next-gen qui aurait pu toutefois être plus poussée. Oui mais voilà, à part cela, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le jeu est un simple portage de l'original, sans contenu additionnel, et là où une durée de vie de 2 heures pouvait passer sur Saturn, la pilule est plus difficile à digérer en 2020. Toutefois, si vous êtes un amateur d'univers singulier et d'une bande-son magnifique, vous pouvez vous laisser tenter. We'll be right back.
Pour terminer, quoi de mieux que le Grand Prince of Persia développé par Jordan Mechner. Sorti en 1989, il a bluffé tout le monde avec ses animations sans précédent et son ambiance oppressante. Vous incarnez un prince parti sauver sa princesse dans un château truffé de pièges. Déjà assez difficile et exigeant, le joueur n'a qu'une heure pour mener à bien sa quête, ce qui corse encore un peu plus le défi. Si vous rajoutez à cela des combats à l'épée faciles au début mais très vite ardus à maîtriser, vous comprendrez pourquoi peu de personnes l'ont terminé. Après de multiples suites plus ou moins heureuses, en 2007, Ubisoft sort son remake sous le nom de Prince of Persia Classic. Développé en 2,5D, décidément très à la mode dans les années 2000, le jeu est une claque visuelle par rapport au premier opus. Ombre, effet de lumière, reflets, c'est vraiment très riche. Au niveau du gameplay, le jeu bénéficie d'une palette de mouvements un peu plus étoffée, ce qui trahit un peu son statut de remake. Bref, ce Prince of Persia Classic permet de se replonger dans l'ambiance de belle manière. Voilà, j'espère que ces deux vidéos consacrées au remake de jeux d'arcade et console vous auront plu et surtout donné envie de vous replonger dans certains titres pour les découvrir ou redécouvrir. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.